d'aujourd'hui, c'est du chapitre, donc c'est codage de canal. Voici le plan. On va parler du principe, des principes du codage canal, de la fiabilité de la communication, les codes en bloc linéaire et les mises en œuvre, les codes cycliques et enfin les codes convolutifs. Ça correspond au chapitre 9 de votre livre de référence, Channel Capacity and Coding. Et donc, vous pouvez voir ici la première page de ce chapitre. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit ici? The goal of any communication system is to transmit information from an information source to a destination via a communication channel. Donc, l'ingénieur en communication a très peu de connaissances sur ces différents, donc sur le canal ou sur la source d'information ou sur la destination. Donc l'objectif, son objectif, c'est de transmettre avec haute fidélité, donc basse distorsion. Le codage de canal, c'est important dans tout type de canal. Ça peut être le canal dans lequel qu'on utilise pour transmettre l'information. Mais c'est aussi, ça peut être aussi comment dire, un système de mémoire, donc par exemple un CD. Dans un CD aussi, le codage de canal est utilisé pour améliorer la fiabilité et réduire donc pour résoudre les erreurs de lecture de l'information. Le codage de canal s'applique au message binaire issu de la source ou du codeur source. Donc on a la source, ensuite on a codage source, codage de canal, le modulateur et à la fin finalement le démodulateur. Le codage de canal consiste à rajouter de manière contrôlée des données redondantes à l'information à transmettre de façon à ce que la transmission soit plus fiable et que la reconstruction soit plus fidèle malgré toute corruption introduite par le canal. Ainsi, chaque message de K bits est transformé en un mot de N bits, et bien sûr, N est plus grand que K. On va rajouter des bits, qui sont des bits de redondance, qui vont permettre de découvrir s'il y a des erreurs et de résoudre et de corriger ces erreurs, afin de retrouver le message qu'on voulait transmettre. Le ratio n sur k est appelé taux de redondance. Donc n plus grand que k, c'est le taux de redondance. Le ratio k sur n, c'est le taux de code. Donc RC, code weight en anglais. On s'intéresse à deux grandes classes de code de canal. Il y a les codes en bloc et les codes convolutifs. Le codage de canal augmente la distance entre les signaux transmis, d'où une baisse de la probabilité d'erreur des systèmes de communication. Le codage de canal est aussi appelé codage de contrôle d'erreur, Error Control Coding, ou encore codage FEC, Forward Error Correction. Voici un exemple où on aurait un message de 2 bits d'information et on va ajouter 3 bits de contrôle. Notre codage de canal va correspondre à ceci-ci. Pour le bit d'information, les bits d'information 0,0, on va rajouter 3 0. Pour 0,1, on va ajouter 1,1, 0. 1, 0, on va ajouter 0,1,1. Et pour 1,1, on rajoute 1,1, 0,1. Donc, supposons qu'on transmet 0,1,1,0. Donc, ça correspond à celui-ci. Et supposons qu'à cause du bruit, on reçoit, donc à cause du bruit dans le canal, on reçoit celui-ci, 0, 0, 1, 1, 0. Ça correspond à aucun des codes possibles, puisque celui-ci c'est 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça ne correspond pas à celui-ci. Donc on peut détecter qu'il y a une erreur. Donc ça correspond à aucun des messages possibles. Donc l'erreur peut être détectée, puisque le code qui est reçu ici est différent des autres codes qui sont permis. Et cette erreur peut être corrigée, puisque le code reçu va ressembler plus à celui-ci. Donc, si on compte les différences, ici, il y a juste un bit de différence. Ça, c'est 0, 0,
1-1-0, tandis que là, c'est 0-1-1-1-0. Donc, si on compare, on va être plus proche de celui-ci. Donc, on peut corriger cette l'erreur qui est dans ce bit-là par comparaison avec les différents types de messages, les différents codes possibles. Donc, c'est ça le principe du codage de canal. Si on n'avait pas fait de codage de canal, donc si on n'avait pas rajouté ces bits supplémentaires, si on envoie 0-0 et qu'il y a une erreur, si on envoie 0-1 par exemple, et qu'il y a une erreur, on reçoit 0-0, et bien on pensera que c'est vraiment 0-0 qui a été envoyé, puisque 0-0 existait. Donc le codage canal permet de différencier et de retrouver l'erreur. Donc maintenant, on va parler de fiabilité de la communication. Lors d'une transmission à travers un canal de communication, l'objectif principal, c'est la fiabilité de la transmission. Et on la mesure par la probabilité de réception correcte au récepteur. La transmission est fiable lorsque la probabilité d'erreur est inférieure à une valeur donnée. Donc, d'après la théorie d'information qui a été développée par Shannon en 1948, une transmission fiable est possible même dans un canal bruité, tant que le débit de transmission R est inférieur à une certaine limite qui est appelée la capacité du canal C. Et C, donc la capacité du canal, est définie ainsi ceci. Pour un canal à bruit blanc gaussien additif, qui aurait une moyenne 0 et une variance N0 sur 2, la capacité du canal est donnée par cette formule, C égale W log 2 de 1 plus P sur N0W. Et c'est en bits par seconde. Donc, si notre rapidité de modulation est inférieure à C, on peut rendre la communication peut être fiable, c'est-à-dire qu'on peut réduire, on peut réduire la probabilité d'erreur aussi petite qu'elle peut être aussi petite qu'on le souhaite, en augmentant la puissance ou en utilisant un certain type de code. Par contre, si R est plus grand que C, alors on ne peut pas rendre le système fiable. Donc W ici, c'est la largeur de bande du canal qui est exprimée en Hertz. P, c'est la puissance de l'émetteur. N0 sur 2, c'est la densité spectrale de puissance de bruit dans le canal qui est exprimée en watts par Hertz. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'après la formule, C va augmenter lorsque la puissance de l'émetteur est augmentée. Par contre, l'effet de la largeur du canal ici est contrasté. Donc, elle peut augmenter ici, puisque là, on a un facteur multiplicatif. Par contre, elle est ici au dénominateur, donc elle va diviser, et donc elle peut réduire ce terme qui est ici. C'est ce qu'on a écrit ici. Un canal avec une bande plus grande permet de transmettre plus de bits, mais implique aussi une plus grande puissance de bruit, N0W, d'où la dégradation de la performance au récepteur. Donc il y a un compromis à faire dans la largeur de bande du canal. Donc d'après le théorème de Shannon, donc si le débit de la source R est inférieur à C, alors il est théoriquement possible d'atteindre une transmission fiable en adoptant un codage approprié. Donc l'effet du bruit dans le canal est plutôt une limite sur la rapidité de communication. Donc dans l'exemple qu'on avait vu, on a vu qu'on pouvait corriger l'erreur d'un bit. Donc on peut le faire si K est plus grand que 2, donc pour n'importe quelle valeur de K. Donc il faut juste trouver le codage approprié pour pouvoir corriger les erreurs dans les informations. Donc, on prend ici un exemple où on calcule la capacité du canal. Donc, on a un canal téléphonique dont la largeur de bande ici est de 3000 Hz. Et sachant que le rapport signal à bruit est de 39 dB, on va déterminer la capacité du canal. Donc, on fait le rapport signal à bruit, donc c'est 39 dB. On peut le passer en linéaire en faisant ce calcul suivant. Donc, 10 puissance. 39 divisé par 10, ça va nous donner P sur N0W.
l'obtenir ici en linéaire, puisque dans la formule, le P sur N0W, c'est exprimé en linéaire. Donc on le met ici. On a ici la bande ici en Hertz. On fait log 2 de 1 plus 7943. Après le logarithmique, on obtient cette valeur. Et finalement, on obtient ici 38867 bits par seconde. Donc ça, c'est notre limite de rapidité de modulation. La probabilité d'erreur, PE, obtenue à l'issue des modulations numériques, est une fonction de la distance entre les points de la constellation. Ça, vous avez pu le voir dans différents exercices et dans le cadre du cours. Donc, la distance entre les points de constellation, c'est elle, en fait, qui détermine la probabilité d'erreur. Prenons ici l'exemple de signaux binaires, qui peuvent être juste 0 et 1, et qui sont équiprobables, donc S1 de T et S2 de T, et considérons deux types de modulation. Donc, supposons qu'on a MIA 2. Donc, la probabilité d'erreur, vous pouvez revoir dans le cours, pour le MIA 2, c'est la fonction Q racine de 2 EB sur N0. Pour le MIP 2, la probabilité d'erreur, c'est Q racine de EB sur N0. Les distances, ça aussi, vous pouvez revoir ça dans le cours. La distance pour le MIA 2 antipodal, c'est 2 racine de EB. Pour le MIP, la distance est racine de 2EB. Donc, en fait, dans les deux cas, si on remplace la distance, la formule devient la même pour les deux. Ça devient Q de distance 1, 2 divisé par racine de N0. Donc, ici, on a juste deux signaux possibles, S1, S2, donc on a juste T1, 2. Donc, on voit bien que la probabilité d'erreur est fonction de la distance des points dans la constellation. Réduire la probabilité d'erreur peut se faire en augmentant l'énergie du signal EB. Donc, si on regarde les formules, ici, celle-ci ou celle-ci. Donc, soit on augmente l'énergie du signal EB, donc ce qui revient à augmenter la puissance à l'émetteur, ou la durée de la transmission T. PE peut aussi être réduite par l'augmentation des distances D1, 2, tout en gardant une même puissance à l'émetteur. Des modulations orthogonales, telles que MIP, MDF sont capables d'atteindre de faibles valeurs de PE à mesure que M augmente, mais au prix d'une largeur de bande requise plus grande. Cette performance est exploitée dans le codage de canal. Donc, prenons ici un exemple. On a M égale 4. La puissance ici c'est P et le débit c'est R. L'énergie, on l'exprime comme étant la puissance sur le débit. Donc la puissance est énergie par seconde. Et débit, c'est bits par seconde. Donc, pour le cas du MDP4, donc 2 bits par signal, on va avoir S1, S2, S3, S4, qu'on peut exprimer comme ceci. Donc, racine de E, racine de 2 sur 2, plus 1, plus 1, ici, moins 1, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, moins 1. L'énergie des signaux est la même pour tous, c'est 2. 2 EB, et la puissance, ça va être, on l'exprime en fonction de la puissance, ça va être 2P sur R. La distance minimale ici au carré, c'est 2E, qui est égal donc à 4EB, puisque E, c'est 2B, EB, et donc ça va nous donner 4P sur R. Si maintenant, on utilise 4 signaux en 3 dimensions, donc, au lieu d'utiliser juste les 10 dimensions, on va utiliser ici 4 dimensions. S1, c'est racine de E, 1, 1, 1. S2, c'est racine de E, moins 1, 1, 1, etc. L'énergie maintenant devient 3E. La distance minimale ici, carré, c'est 8E. Donc, pendant le temps 2 sur R, 2 bits sont transmis avec une énergie 2EB. Donc ça, c'était le premier cas ici. Sur un signal d'énergie 3E. Donc 2EB égale 3E, ça signifie ici que E l'énergie, ça va être 2P sur 3R. Et donc la distance minimale au carré, ça va être 16P sur 3R.
Donc, si on compare par rapport à celui-ci qui était 4P sur R, le rapport des distances entre les deux modulations, donc le 3D ici ou le MDP4 ici, est de 4 tiers. On le voit ici aussi, on a 4. Et ici, on a 16P sur 3R, tandis qu'ici, on a 4P sur R. Donc, si on multiplie par 4 tiers, on va retrouver ici 16P sur 3R. Donc la distance ici est augmentée de 4 tiers. Je vais juste... Donc cette nouvelle modulation de 3D va décroître la probabilité d'erreur, puisque ici on a augmenté la distance, alors que la puissance à l'émetteur P est restée la même. Donc le prix à payer pour cette réduction est que pendant T sur 2R, trois signaux ont été transmis. La durée de chaque signal a été réduite de 2 tiers. Donc pour pouvoir transmettre ces trois signaux sur la période T, donc on doit diviser le T en 3, au lieu qu'il soit divisé en 2. Donc la bande passante qui va être requise va être de 3,5 fois la bande passante qui était requise pour le MDP4. En plus, le décodage devient plus complexe. Donc cet exemple illustre l'effet du codage de canal. Donc si on veut, si je peux ici partager. Donc pour le MDP4, donc on avait en fait... Si ça, c'est notre durée T, on pouvait envoyer comme deux signaux, quelque chose comme ceci. Donc ça peut être un 1, puis ensuite un 0. Par contre, pour l'autre, on va le diviser en 3. T. Les signaux n'ont pas forcément cette forme-là, je vais juste vous montrer. Donc si on divise le temps ici en 3, ça signifie qu'en fréquence, donc si le temps est plus petit, ça signifie qu'à la fréquence, ça va être plus large. Donc si on avait besoin d'une certaine bande de fréquence, ça c'est delta F. Et si on a réduit le temps de... c'était combien déjà? 3 sur 2, donc 3 sur 2, ou de 2 tiers, pardon. Donc si on a réduit le temps de 2 tiers, ça signifie que la bande de fréquence ici va augmenter, va être multipliée par 3,5. Donc on a besoin d'une bande de fréquence plus large. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? Donc la fiabilité de communication, ce qu'il faut retenir, c'est le théorème de Shannon. Et lorsque le débit est inférieur à la capacité, on peut réduire la probabilité d'erreur en augmentant la distance entre les points de constellation. Et le codage de canal, c'est ce qui va nous permettre de faire ça. On va faire une petite pause. On revient. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà? Non. Donc, on va revenir à 9h15. Donc, je vous dis à tout à l'heure. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Merci. Donc, on a vu le principe du codage de canal, la fiabilité de communication, et maintenant, on va parler des différents codes de canal. Donc, il y a le code en bloc, c'est le premier, ensuite les codes cycliques, et enfin les codes convolutifs. Les codes en bloc linéaires, un code en bloc, donc N, K, donc K, c'est le nombre de bits d'information, et N, c'est le code
qui n plus grand que k, dans lequel donc, on va rajouter des bits de redondance. Il est défini par la donnée de m, grand M égale 2 puissance k mots de code, chacun étant une suite de n bits. Donc c, ça va être c1 jusqu'à cm. Et donc cn ici, normalement. Donc exemple pour le code 5, 2. Donc n égale 5 et k égale 2. On va avoir 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc ça, c'est un exemple de code en bloc. On peut reconnaître disons, les bits d'information et on peut identifier les bits d'information et les bits donc de redondance. Le mapping ou la mise en correspondance consiste à associer à chaque symbole d'information de 4 bits un mot de code CI. Donc pour 0, 0, on va l'associer avec ce mot de code. 0, 1, on l'associe avec ce mot de code. Ce processus donc s'appelle le mapping. Un code en bloc est dit systématique si les bits d'information sont distincts des bits de redondance. La distance de Hamming entre deux mots de code CI et CJ, c'est le nombre de positions où les bits diffèrent. Donc, si on prend par exemple ce mot de code-là et ce mot de code-là, ils diffèrent 1, 2, 3, 4. Ils diffèrent aux 4 bits. Donc, la distance de Hamming ici entre ces deux mots de code, c'est 4. Donc, on peut le faire pour les autres. Celui-ci, donc il y a un bit ici différent. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent, c'est différent. C'est aussi 4. Donc, la distance d'Hamming, c'est le nombre de positions où les bits diffèrent entre deux mots de code. Le poids de Hamming, donc on va l'écrire ici WCI, c'est le nombre de bits mis à 1 du mot de code CI. Donc, si on regarde ici, le poids de Hamming pour lui, c'est 0. Il n'y a aucun bit qui est à 1. Lui, c'est 4. Lui, c'est 2. Et lui, c'est 4. La distance minimale des mines d'un code en bloc est la plus petite de ces distances de Hamming. Donc, la distance de Hamming, c'est entre deux mots de code ici. Donc, si on regarde la distance entre lui et lui, on a dit que c'était 4. Entre lui et lui, c'était 4. Entre lui et lui, c'est 2. Est-ce qu'on peut avoir plus petit que 2? Non. Donc ici, notre distance minimale de Hamming, ça va être 2 pour ces mots de code. Puisque entre ce mot de code-là, 0, 0, 0, 0, et celui-ci, 1, 0, 1, 0, 0, il y a 2 bits de différence. Donc ça va être notre distance des mines, la distance des minimale. Le poids minimal de Hamming d'un code en bloc est le plus petit de ces poids de Hamming. Mais on ne compte pas le poids du code 0, okay, puisque c'est 0. Donc on ne va pas compter celui-ci. Lui, son poids, c'est 2. Lui, son poids, c'est 4, puisqu'il a 4, 1. Et lui, son poids, c'est 4. Donc le poids minimal ici, c'est 2. Un code en bloc NK est linéaire si toute somme modulo 2 de deux mots de code, donc CI avec CJ, donc on fait la somme ici modulo 2, donc c'est des bits, si c'est un mot de code. Donc par conséquent, la suite de N0 est un mot de code, puisque si on fait CI avec CI ici, on va trouver, si on fait un mot de code avec lui-même, on va obtenir 0. Donc 0 sera toujours un mot de code. Donc la suite de N0 sera toujours un mot de code. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, on voit ici cette suite de 5-0, c'est un mot de code. Donc, dans un code en bloc linéaire, on aura toujours une suite de N0, comme ceci, comme un mot de code. Donc, ce mot de code ici, 5, de 5-2, est linéaire, puisque si je fais ce mot de code plus ce mot de code, donc si j'ajoute 0, donc ça va rien changer, ça va rien changer, ça va toujours ce mot de code. Et si je fais celui-ci plus celui-ci, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1, 1. Ici, le 1 avec le 1, ça va me donner 0. Ici, ça va me donner 1.
et ici 1. Donc ça va me donner celui-ci. Donc chaque fois qu'on fait la somme de deux mots de code, ça donne un autre mot de code. Donc c'est comme ça qu'on définit notre code en bloc linéaire. Donc si on fait la somme de deux mots de code, ça va nous donner un autre mot de code. Dans tout code en bloc linéaire, alors la distance minimale de Hamming va être le poids minimal de Hamming. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à vérifier. La matrice de génération, soit le code en bloc 5.2, donc c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Donc on représente ici le mapping. On va définir E1 comme étant le vecteur 1, 0, et E2, c'est 0, 1. Ces deux suites de k bits forment une base de dimension 2. E1 et 2 nous forment une base de dimension 2. Donc on a ici pris k bits, puisque notre information utilise k bits, donc ici k égale 2. Tout de suite, x, donc, qui correspond à l'information x1 et x2, peut s'écrire comme une combinaison linéaire des éléments de cette base. On peut écrire x comme étant la somme des xi, ei. Ou alors, ici, x égale donc x1, x2, égale x1, e1, plus x2, e2. Dans le cas du premier, ici, x1 va être égal à 1, et x2 va être égal à 1. Ici, on va avoir 0, 0, ici, 0, 1, et ici, 1, 0. Donc, en général, si donc K n'est pas forcément égal à 2, K peut être plus grand. Donc, on va créer une base avec les E1, E2 jusqu'à EK. Donc, on considère soit KGI, les mots de code correspondant aux bits d'information E1, EEI, pardon. Donc, E1. Donc, E1 qui correspondrait au message d'information 1.0, son mot de code, si on revient ici, 1.0, le mot de code c'est 1.0.1.0.0. Donc, G1, ça va être 1.0.1.0.0. Et E2 pour le 0.1, c'est celui-ci, son mot de code correspondant c'est 0.1.1.1.1. Donc G2, ça va être 0, 1, 1, 1. Donc on va, comme on avait KEI, on va avoir KGI. Donc G1, G2, si K égale 2, E1 et 2, on va avoir les G1 et G2 correspondants. Lorsque le code est linéaire, on peut écrire que X, donc c'est la somme des XI, EI. Et le mot de code C, ça va être la somme des XI, GI. Donc, GI, il a combien de définir ici? G1, G2. Et C, c'est le mot de code associé à X. Donc, C, ça correspond au mot de code qu'on voit dans notre mapping. Et les X, c'est les bits d'information ici qu'on voit, ici à gauche. Donc, on peut écrire C comme étant la somme des XI et GI. Et GI, on les a définis comme ceci. Les GI, on les obtient connaissant les EI et connaissant le mapping qui correspond à ces EI. Ainsi, les GI forment une base de dimension K pour les M mots de code. Donc, on peut organiser les GI en matrice. G1, G2, GK. Donc on va les écrire comme ça, G1, 1, G1, 2, etc. Dans notre exemple, G1, G2, donc si on revient, c'était juste 1, 0, 1, 0, 0, et 0, 1, 1, 1. Donc ici, on va avoir N. Et ici, K. Donc, ça va être une matrice de NK. Tout code en bloc linéaire peut être écrit par l'opération suivante. Donc, C égale X fois G. Et donc, G va avoir K lignes et N colonnes. C'est la matrice de génération du code en bloc linéaire. Donc, ça donne et constitue une description du code en bloc linéaire. Donc, si C égale X fois G, on va avoir C1, C2, C3, C4. Et X1, X2 fois les G1, G2,
Donc finalement, C1, ça va être X1. C2, ça va être X2. C3, ça va être X1 plus X2. C4, c'est X2. Et C5, c'est X2. Donc ça, c'est une autre façon de l'écrire. Un code en bloc linéaire est systématique si sa matrice G est de la forme suivante. Qu'est-ce qu'on avait dit pour systématique? Le code en bloc est systématique si les bits d'information sont distincts des bits de redondance. Et ici, donc, dans le code en bloc linéaire, il est systématique si le G peut s'écrire de cette façon-là. On va reconnaître ici, comme on le voit ici, le 1, 0, 0, 1. Donc on aura ici une matrice identité IK et ici une matrice qu'on appelle matrice de parité. Donc IK, c'est une matrice identité K fois K. P, c'est la matrice binaire qui est K fois N moins K. Matrice de bits de parité, parité check bit en anglais. On peut aussi définir la matrice H. Donc on peut écrire C fois H transpose égale 0. Par conséquent, si CH transpose fois H transpose égale 0, on a aussi G fois H transpose égale 0. Et H, donc ça va être une matrice de N moins K fois N. Et H, donc pour un code systématique, va s'écrire comme ceci. Ça va être P transpose IN moins K. Donc on prend le transpose du P ici. Et ici, on va avoir IN moins K. Donc dans notre exemple, notre matrice de parité, on l'a ici, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Si on transpose ça, ça va nous donner donc le 1, 0, 0. Donc la ligne ici devient une colonne. Même chose ici, cette ligne-là devient une colonne, la deuxième colonne. On la met ici pour créer notre matrice P de transpose. On la met ici. Puis ensuite, ici, on a une matrice identité. Donc, n moins k, dans cet exemple-là, c'est 3. Donc, notre matrice identité est ici, est donc 3 fois 3. Donc, la matrice H, ici, va avoir une dimension 3 fois 5. Donc, on a défini la matrice H et on a défini la matrice G. Les codes en bloc qui sont connus et le code de Hamming. Dans le code de Hamming, n peut s'écrire comme étant 2 puissance m moins 1, k va s'écrire 2 puissance m moins 1, et la distance minimale dans le code de Hamming, c'est 3. Tant que m ici, le petit m ici, supérieur ou égal à 2. H a une structure simple, et le taux de code peut s'écrire comme ceci, 2 puissance m moins 1 moins m moins 1 sur 2 puissance m moins 1. Voici un exemple où on a trouvé la matrice H pour un code de Hamming de 7, 4 en forme systématique. N ici, c'est 7. K, c'est 4. Donc si on remplace ici, pour trouver 7, il nous faut que le petit m soit égal à 3. Donc m égale à 3. Donc ce qui signifie que H peut s'écrire comme ceci. Transpose la matrice de parité, I3, et G, ça va être I4P. Les quatre lignes de P sont des suites binaires de 3 bits, ayant au moins 2 bits mis à 1, puisque la distance minimale ici est le 3. Il faut qu'il y ait au moins 2 bits qui est égal à 1 dans P, sachant que le troisième bit sera dans le I. Donc, G va avoir cette forme-là. Donc il y aura ici forcément 2 bits à 1. Donc on aura toujours une distance minimale ici de 3 bits. On peut aussi utiliser le codage de canal le plus simple, c'est le codage à un seul bit de parité. Donc notre cas, ça serait n-1 et on vient rajouter juste un seul bit. Et on pourrait par exemple faire ajouter un bit, le bit 1, pour avoir un nombre
de impair, donc chaque mot de code. Donc ici, notre taux de code va être n-1 sur n. Et le poids de Hamming, ici, minimum, ça va être de 2. Un autre type de code, c'est le code à répétition. Donc, ça consiste à répéter un bit d'information n fois. Par exemple, ici, le bit d'information 0, on va répéter 3 fois. Donc, on aura ici 3 0. Et le 1, on va répéter 3 fois. On va ici avoir 3. Tout ça, c'est des codes en bloc linéaire. Le code cyclique, code Reed-Solomon, sont des codes en bloc linéaire avec les conditions que si C est un mot de code, alors un décalage cyclique de C donne un mot de code. Donc, en fait, on a. Ouais. On donne un code. Donc, par exemple, ici, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ça, c'est un code linéaire et cyclique. Si on fait un décalage cyclique, donc le 1 vient ici et ce 1 vient là, donc on décale comme cycliquement, on va retrouver un autre mot de code. Par contre, celui-ci n'est pas cyclique. Puisqu'ici, je ramène le 1 ici, je n'ai pas de code ici, 1, 0, 1, 0, 0. Si on regarde ici sur. Vous pouvez. J'avais vu sur Internet que c'était le code BCH, c'est quelque chose qui est utilisé, qui était beaucoup utilisé dans les CD, et ça permet de corriger énormément d'erreurs. Alors, il y a différents types de décodage des codes en bloc. Le codage canal augmente la distance euclidienne des signaux transmis et donc réduit la probabilité d'erreur pour une puissance de transmission donnée. Par conséquent, la performance de deux codes en bloc se mesure par leur distance minimale, ou le Wmin. Pour deux codes qui ont les mêmes n et k, le code ayant le plus grand dmin, ou Wmin, sera de meilleure performance. Une fois le codage de canal effectué, les mots de code sont modulés, transmis, reçus, démodulés et décodés. Il existe deux façons de décoder. Il y a le décodage soft. Donc ça, c'est le même méthode qu'on a vu dans les chapitres précédents. Le récepteur reçoit les signaux noyés dans du bruit blanc gaussien additif. Les démodulateurs extraient à chaque période t égale ktb un vecteur d'observation r. Le détecteur décide sur le signal transmis en minimisant la métrique de distance dr avec sm, les différents types de signaux, m égale 1 jusqu'à grand M. Une fois SM est identifié, le mot de code correspondant CM est identifié et l'information originale est livrée. Alors, le MDP binaire ou antipodal est généralement utilisé, soit GT, un signal de type de durée T et d'énergie E. Un mot de code CM, CM1, CM2 jusqu'à CMN. Et associer une suite d'impulsions. Si CMI égale 0, on envoie moins GT. Si CMI égale 1, on envoie GT. Exemple pour CM, c'est 1, 1, 0, 0, 1. Donc, le modulateur on va nous donner CM égale racine de E, 1, 1, moins 1, moins 1, 1. Même chose pour ici, CL. L'énergie des signaux ES va être N fois E. Et la distance euclidienne entre deux signaux, ça va être 4E, donc entre DML, donc 4E DMLH, la distance de Hamming, et la distance minimale ici au carré va être 4E, la distance minimale de Hamming. Dans le démodulateur, on va avoir N corrélateur ou filtre adapté, et on va avoir un échantillonnage aux instants t égale ktb. Ça nous permet de trouver le vecteur r1, r2, r jusqu'à rr. Le détecteur décide pour le SM qui minimise la distance euclidienne drsm. Et la probabilité d'erreur
par message va s'exprimer comme étant donc pour notre MDP binaire antipodal, et E va être inférieur ou égal à M moins 1 Q des min racine de N0. Ou alors qu'on peut l'exprimer en distance de Hamming, donc 2 des min à la place ici de des min. Donc des min H, la distance minimale de Hamming du code en bloc linéaire utilisé. Donc ça, c'est pour le décodeur soft. On peut faire aussi un décodage hard. Il est plus simple, il est plus fréquent, mais il est moins performant que le décodage soft. La décision est faite sur chaque composant du vecteur d'observation R. On compare à un seuil et décide si la composante RI correspond à 1 ou à 0. Et une décision donne un mot de code détecté Y. Le décodage est opéré sur le mot de code détecté Y pour lui trouver le mot de code CM le plus proche au sens de la distance de Hamming. Puis l'information originale de K bits est livrée. La probabilité d'erreur par message va avoir alors une forme différente. Ici, PB, c'est la probabilité d'erreur lors de la démodulation d'un bit. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on insère ici, on va insérer ça dans cette nouvelle formule. Donc, sans entrer dans le temps de l'équation, on peut comparer ces deux types de codage. Donc, dans le livre, on nous dit donc, si on compare les performances du soft et du hard, il y a une différence de DDB dans le cas d'un plus long gaussien additif. Donc, ce qui signifie que la probabilité d'erreur du soft et du hard peut être la même si dans le hard, on rajoute 2 dB de rapport signal à bruit. On peut montrer aussi que si on utilise une quantisation de 8, un niveau, au lieu d'avoir 2 niveaux de quantisation pour R, donc si on utilise 3 bits par composant, au lieu de 2 bits par composant, dans ce cas-là, on peut réduire l'augmentation du rapport signal à bruit à 0,1 au lieu de 2 dB. Donc la décision hard, ici, la détection en utilisant la technique hard, devient avantageuse puisqu'on n'a pas besoin de réduire énormément, d'augmenter énormément le rapport signal à bruit, et la complexité, le système est plus simple que la détection soft. Donc, on a vu les codes en bloc linéaires et on a vu leur mise en œuvre. Est-ce que vous avez des questions? On va parler maintenant des codes cycliques. Donc, les codes sans clic sont des codes en bloc linéaire. Ils possèdent les propriétés suivantes. Si C est un mot de code, alors tout décalage circulaire de C donne un mot de code. Donc ici, par exemple, donc ce code-là est un code en bloc, est un code cyclique. Puisque ici, si je passe le 1 ici, ça va faire 1, 0, 1, donc c'est celui-ci. Si je fais la même chose pour lui, je vais trouver 1, 1, 0, donc ça va être celui-ci. Donc tout décalage circulaire va nous donner un autre mot de code. On peut représenter notre code cyclique sous forme polynomiale. Donc, tout mot de code C qui s'écrit C1, C2 jusqu'à CN correspond à un polynôme qui est défini par CP, c'est la somme des CI, PNI moins 1. Donc, ça va être C1, PN moins 1, C2, PN moins 2, jusqu'à ici, CN moins 1, P. Plus Cn. Donc on a un terme ici qui n'est pas fonction de P, puis ensuite on a le P ici, donc P d'ordre 0, puis P d'ordre 1, etc., jusqu'à P d'ordre n moins 1. Un décalage circulaire de C donne le mot de code C,
Donc, on va mettre ici entre parenthèses l'indice 1 pour dire qu'on a fait un décalage de 1. Donc, le C1, il va passer ici. Donc, C2 devient le premier. Et on peut lui faire correspondre un polynôme. Donc, le polynôme pour l'écalage, pour un décalage circulaire, C1 ici, ça va être C2Pn moins 1, C3Pn moins 2, Cn moins 1 P carré, CnP. Puis le dernier ici, plus C1. Alors on peut l'écrire d'une autre façon. C1P peut s'écrire comme étant P fois CP, ce code qu'on avait au départ là. Si on fait ça, donc si je fais P fois CP ici, je vais avoir C1 PN pour le premier, puis ensuite C2 PN moins 1. Ici, ça va être CN moins 1. P carré et plus CNP. Ici. Donc, ce qui signifie, il faut que j'enlève le C1PN. Il faut que j'enlève parce que CNP ici, il est bien là. Par contre, en faisant PCP, j'ai ajouté C1PN. Donc, il faut que je l'enlève. Il faut que j'ajoute le C1 qui n'est pas. Lorsque je multiplie par P, je n'ai pas le C1 ici. Donc, il faut ajouter C1 et enlever C1PN. Mais en fait, puisque ce sont des bits, 0 et 1, enlever ou ajouter, c'est la même chose. Donc, ajouter 1 ou enlever 1, ça revient à la même chose. Ou enlever ou ajouter 0, ça revient à la même chose. Donc, on peut remplacer notre moins par un plus. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, c'est une addition modulo 2. Donc, notre décalage C1P peut s'exprimer comme étant PCP plus C1 multiplié par PN plus 1. On peut enlever cette partie-là en signifiant ici que ces deux termes sont égaux, mais à modulo PN plus 1. Donc, si on fait deux décalages, ça va revenir à P carré CP. Et i décalage, c'est PICP. Et le nème, ça va être PNCP. Pour le dernier, donc on peut l'écrire comme étant PNCP. Et si on simplifie ce dernier, donc ça revient à CP en fait. Donc il y a un exemple ici où on a donc un code cyclique. Donc CP, C s'écrit 1001. Et sous forme polynomiale, on peut l'écrire donc P3 plus 1. P3 pour le 1 qui est ici. Et le 1 là, c'est ce 1 qui est ici. Le premier décalage, en appliquant la règle qu'on a présentée tout à l'heure, on peut montrer que ça va nous donner 0011. Le deuxième décalage, ça va être 0110. Troisième, 1100. Et le dernier, finalement, on revient à 1001. Les codes cycliques NK, tout code cyclique NK a un polynôme générateur GP de degré N moins K qui divise PN plus 1. Donc GP, on peut l'écrire comme étant PN moins K. Plus G2 PN moins K moins 1, plus G3 PN moins K moins 2, plus GN moins K P plus 1. Soit le message d'information X1, X2, XK moins 1, XK, le mot de code correspondant est généré de la façon suivante. CP, c'est XP fois GP. Voici un exemple. Donc, on propose de trouver. On doit trouver le polynôme générateur pour un code cyclique n égale 7 et k égale 4. GP est de degré n moins k, donc 3. Et GP doit diviser Pn plus 1, donc doit diviser P7 plus 1. Alors P7 plus 1 peut s'exprimer comme étant P plus 1 fois P3 plus P2 plus 1 fois P3 plus P1 plus 1. Donc, ça signifie que
Donc, GP ne peut pas être celui-ci parce que GP doit être de degré 3. Donc, c'est soit celui-ci, soit celui-ci. Donc, P3 plus P2 plus 1 ou P3 plus P plus 1. Si on prend le premier, le message X, on va avoir de cette forme-là. XP, ça va être X1 P3 plus X2 P2 plus X3 P plus X plus X4. Et les mots de code sont obtenus en faisant les mots de code C, c'est les X, donc l'information multipliée par G, GP, polynôme. Ça va nous donner ici, après simplification, donc le P6 multiplié par X1. Pour le P5, c'est X1 plus X2, X2 plus X3, X1 plus X2 plus X3, etc. Le mot de code, finalement, on va l'écrire comme ceci. Donc, connaissant notre information X, le mot de code va se créer selon les valeurs des X1, X2, X3, X4, comme ceci. Donc ici, on a X1, ici, on a X1 plus X2. Donc c'est la somme modulo 2. Sachant que si on a 1, 1, 1 plus 1, ça va nous donner 0. X2 plus X3, etc. Donc, par exemple, si notre information c'est 1, 1, 0, 0, donc si c'est 1, 1, 0, 0, donc ça signifie que x1 c'est 1, x2 c'est 1, x3 c'est 0 et x4 c'est 0. Si on fait ça, on va trouver que pour le mot de code 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Alors, on voit ici pour le même exemple ici qu'on a ici. Selon donc l'exemple qu'on vient juste de donner maintenant, c'était x égale 1, 1, 0, 0. Donc, c'était celui-ci. X égale 1, 1, 0, 0. Ce qui signifie que x peut s'exprimer comme étant p3 plus p carré. Et le mot de code ici va sous forme polynôme peut s'exprimer comme ceci. Ou sous forme binaire comme ceci. Donc on peut le faire pour tous les mots de 4 bits. Donc de puissance 4 mots possibles. Et ça, c'est les mots de code qui correspondent. Donc on peut voir que c'est bien un code cyclique. Si on fait un décalage cyclique, on va retrouver un autre mot de code. Donc la matrice de génération, donc dans les GI sont les mots de code des messages, les EI. Les EI, c'est ce qui forme la base. Donc les GI peuvent s'exprimer comme étant EI fois GP. Et le mot de code C, c'est X fois G. Un autre type de mot de code cyclique, il y a le code BCH. Pour code Bose, Chaudhuri et Ockeghem. Ce sont des codes qui ont les paramètres suivants. Le n ici, c'est 2 puissance m moins 1. Le n moins k va être plus petit que mt. Et la distance minimale ici peut être contrôlée avec le paramètre t. Par exemple, pour le BCH 7,4, n égale 7. Donc, le petit m ici égale à 3. N moins k, ça va donner des 3. Donc, qui est inférieur ou égal à 3. Et donc, t ici, on peut le prendre à 1. Et dans ce cas-là, la distance minimale va être 3. Donc, pour le code BCH, il y a un tableau, nous on voit ici. Selon la valeur de GP. Non, selon la valeur de n et k, on nous donne la valeur, on donne GP en octal. Si je reviens ici, donc on donne le polynôme GP en octal. Donc si on prend n égale 7, k égale 4, donc n égale 7, k égale 4, on a juste une seule valeur de t.
possible, c'est 1. Donc, ça signifie que la distance minimale ici sera de 3. Si on veut une plus grande, une distance minimale plus élevée, donc il faut aller plus haut là. Donc, plus la distance minimale est si élevée, et plus on va être capable de corriger un plus grand nombre d'erreurs. Donc, l'exemple simple de n égale 7 et k égale à 4, le tableau nous donne que GP est égal à 13 ici en octal. Donc, on transpose le 13 octal, on le transpose en binaire, ça nous donne 0, 0, 1, 1, 0, 1. Et GP, donc c'est un polynôme de degré n-k, donc ici 7-4, ça nous donne 3. Donc c'est un polynôme de degré 3. Et donc le 1, 0, 0, 1, 1, donc on peut l'exprimer, on peut les mettre ici, donc c'est ce qu'on a mis en rouge. Donc, ce qui signifie que GP, ça va être p puissance 3 plus p carré plus p plus 1. Le p ici, c'est 0, pardon. Ça va être p puissance 3 plus p carré plus 1. Donc ça va être GP. Et on peut le faire pour d'autres valeurs. On peut avoir n ici, par exemple, égale 127. Ou prenons par exemple. Par exemple, celui-ci, n égale 15 et k ici égale 5. Donc on peut avoir une t ici plus grand. Par contre, le polynôme ici va être plus complexe. Donc, ce tableau donc permet d'utiliser donc différents types de codes et on peut choisir le paramètre t avec le code BCH. Donc, ça continue comme ceci avec n même beaucoup plus élevé. N égale 255, 5. Donc, pour 255 bits, combien de bits, combien de k? En fait, k, c'est les bits d'information. Donc, il faut, si on a 247, là, il nous faudra 255. Si on a 239, etc., etc. Donc, par exemple, ici, pour n égale 15, si k égale 5, ça signifie que les 10 bits supplémentaires, ça c'est les bits de redondance. Et si k égale 11, là on utilise juste 4 bits de redondance. Donc k, ça nous donne le nombre de bits en information. Et t, c'est le paramètre qui permet de contrôler la distance minimale. Donc on a vu les codes cycliques. Pour le code PCH, par exemple, donc il faut utiliser des tableaux pour retrouver nos polynômes. Maintenant, on va voir le dernier type de code, c'est les codes convolutifs. Est-ce que vous avez des questions au sujet des codes en bloc linéaire, puis ensuite au sujet des codes cycliques? Donc, on va continuer pour les codes convolutifs. Pour un symbole de k bits, le mot de code de n bits est généré dépend de k bits d'information courant et de l-1 k bits d'information précédent. Donc là, on va utiliser les informations, les valeurs des bits précédentes, d'où le terme convolutif. Donc, l'encodeur consiste à un registre à décalage avec KL étages ou cellules. À chaque instant T, K bits d'information entrent dans le registre et les 4 derniers bits du registre, les plus anciens, le quittent. À chaque instant T, un code à N bits est généré par le biais de N combinaisons linéaires. Une combinaison linéaire par bit de code. Donc voici le schéma d'un codeur convolutif. Donc on rentre 4 bits. On a des registres ici qui sont k étages. Non, pardon, L fois k étages. Et
À partir donc de ces étages, on va retrouver notre mot de code ici, à chaque entrée des qubits. On va avoir ici un mot de code à 1 bit vers le modulateur. Donc on doit utiliser une combinaison de la valeur présente et des valeurs passées. Donc jusqu'à quelle valeur passée on va, ça dépend ici du nom de notre valeur de L. Ça dépend de L. L, ça va être la profondeur. Pour connaître le nombre de quelle valeur passée va être utilisée. Le registre à décalage est une machine à état finie avec 2 puissance L moins K état. Pour K bits, le code généré dépend de L moins K bits d'informations précédentes. Le taux de code, c'est toujours la même formule, c'est RC égale K sur N. Un encodeur convolutif est caractérisé par les séquences de génération G1, G2, Gn. G1i, c'est i égale 1 jusqu'à KL. Même chose pour les autres. GGi égale 1 si le bit i du registre participe dans la génération du jm bit du mot de code, sinon il vaut 0. Voici un exemple. On a un code convolutif qui utilise l'encodeur suivant. Le K ici, c'est égal à 1 et L égale à 3. Donc à chaque fois, on rentre un seul bit. Ça peut être un 0 ou un 1. Donc K égale 1 et N ici égale 2. On se retrouve ici avec les mots de code qui ont juste 2 bits. L, c'est égal à 3, donc c'est la profondeur. Et RC ici, ça va être 1 sur 2. Donc c'est K sur N. Le nombre d'états possibles, ça va être 2 puissance 2. Donc c'est 2 puissance K moins... la formule, c'est comment dire, ouais. Donc L moins 1 fois K. Donc L moins 1, donc L c'est 3, moins 1 c'est 2, fois K, donc 2 fois 1 ça fait 2. Donc 2 puissance 2 égale 4. Donc on a 4 états possibles ici. Le schéma de l'encodeur peut être remplacé par les séquences de génération G1 et G2. Et G1 et G2, on peut les écrire comme ceci, on peut le voir. Pour réaliser le G1 ici, donc le premier bit ici, on a besoin d'assigner ce bit-là et ce bit-là, donc ça correspond à 1, 0, 1. Pour réaliser le deuxième bit ici, on a besoin de faire la somme des 3. Donc on a 1, 1, 1. Et donc on peut représenter notre encodeur convolutif par un diagramme d'état transition. Donc on avait dit qu'on avait 4 états possibles. C'est ce qu'on voit ici. Supposons qu'au départ, on a 0, 0. Donc, on a que des 0 ici. Donc, on a 0, 0 et 0 ici. Donc, on est dans l'état qu'on voit ici. Et supposons qu'il y a un 0 qui rentre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec 0. On va toujours avoir 0, 0 là. Et en sortie, ici, on a 0, 0. Donc, si un 0 rentre, en sortie, on voit en rouge ici 0, 0, et on reste dans le même état, 0, 0 là. Si on fait rentrer un 1, on va avoir 1 ici, et on va avoir 0 là. Si on fait rentrer un 1, on passe dans un autre état. On passe dans cet état-là, 1, 0. En sortie, si on a 1 là et 0 là, en sortie, on va avoir 1, 1. Donc, c'est ce qu'on voit ici en rouge, ici, le 1, 1. Donc, on peut continuer comme ça notre diagramme et on voit ce qui se passe à chaque fois. Donc, si on rentre un 0, on va là. Si on rentre un 1, on va là. Quand on est ici, s'il y a un 1, on reste le même endroit. S'il y a un 0, on va là. Et à chaque fois, on met en rouge ici la sortie. Donc, le mot de code, c'est ce qu'on voit en rouge ici. Donc c'est ce qu'on voit, le 1 et le 2 ici. C'est le mot de code qui est fonction donc des bits d'information qu'on rentre. Donc, à chaque fois, on va avoir deux branches entrantes. Donc, pour lui, on a cette branche-là qui rentre, cette branche-là qui rentre, et deux branches sortantes.
Si K était plus grand, on pourrait trouver le nombre de branches sortantes, le nombre de branches entrantes en faisant 2 puissance K. On peut aussi le représenter, donc ça c'est le diagramme en tri est plus courant que cette représentation-là, le diagramme état transition. Donc ce diagramme-là est beaucoup plus courant. On peut représenter notre encodeur convolutif en utilisant le diagramme en tri. Donc dans notre exemple qu'on vient de faire, donc celui-ci. Donc on représente, on va commencer par juste cette partie qu'on voit ici, A, B, C, D, là. Donc on regarde pas qu'est-ce qu'il y a après là. Donc on représente les états possibles. Donc c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. C'est ce qu'on avait ici, là, 0, 0, 1, 0, etc. Si un 0 rentre, je fais un trait continu, c'est ce qu'on voit là. Donc les branches continues, ça va être un 0, et les pointillés, ça va être un 1. Donc si un 0 entre, je fais un trait continu, et je reste dans l'état 0, 0. Si un 1 rentre, je passe à l'état 1, 0. Ici. Donc là, j'ai fait trait continu, trait discontinu, pour savoir que c'est un 1 qui est entré. Ça va être important après ça. Donc on fait une différence entre si c'est un 0 ou un 1 qui est entré. Et ce qu'on met dans la flèche, c'est la sortie. Donc, c'est ce qu'on avait mis ici en rouge. Donc, en sortie, ici, on va avoir 0, 0. Ici, en sortie, on va avoir 1, 1. Après, on part de ce point-là et on part de ce point-là. Si un 0 rentre, je reste. Si un 1 entre, je passe à là. Ici, si un 0 entre, je passe ici. Si un 1 entre, je passe ici. Etc. Ensuite, on le fait jusqu'à. Donc, on peut le faire ici jusqu'à 4. 4, c'est suffisant ici. Pour représenter notre diagramme en tri. Donc, lors de l'encodage, on suppose que l'état initial est le 0. On suppose qu'on est ici, 0, 0, 0. Et les bits d'information sont entrés par groupe de K bits. Pour des raisons de simplicité, on insère à la fin du codage un symbole de K fois L moins 1, 0. À la fin, on va rajouter plusieurs zéros pour pouvoir revenir à l'état 0. Donc la longueur de la séquence codée, ça va être R plus L moins 1 fois N. Un chemin est ainsi défini dans le tri. Alors pour l'encodeur, qu'est-ce que. Donc on. Donc, pour l'encodeur, quelle est la séquence qui est codée, la séquence codée obtenue si le bit d'information c'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. On sait qu'on rajoute 2 bits pour la remise à 0. Donc, on va rajouter le 0, 0 ici. Et si maintenant on rentre ça dans notre tri, on va trouver ce qu'on voit ici. Donc, on peut le faire facilement. Donc, on a dit que c'était. X, c'était 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc je peux peut-être le copier. Donc si X, si l'information c'est 1, 1. Donc on ajoute les deux zéros là, c'est pour revenir à 0. C'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, quand je suis là, je suis toujours à l'état 0 au départ. J'ai fait un 1, puis ensuite un 1, puis ensuite un 0, puis ensuite un 1. On ne sait pas continuer après, mais ce qui se passe après, on peut le comprendre si on repart de là, par exemple. C'est la même chose. Donc, j'ai fait ça, 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 ça. Et après, je peux repartir de là si je souhaite. Donc, le fait d'avoir fait ça et ça, en sortie, j'ai 1, 1, 1, 0, puis ensuite 1, 0. Donc, c'est ce qu'on voit ici. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, vous pouvez faire l'exercice pour le faire pour tout le X. Donc, pour tout le X, c'est. Le mot de code va être donné par ce qu'on voit ici.
Donc ça, c'est pour l'encodage. C'est pour associer, donc faire le mapping de notre message d'information avec le mot de code qui correspond. C'est ce mot de code-là qui va être envoyé dans le canal. Maintenant, pour le décodage, donc il peut être fait soit de manière soft, soit de manière hard. Donc, dans le cas du décodage hard, une séquence Y est détectée. Il faut la décoder en lui faisant correspondre une séquence d'informations. Pour cela, on va utiliser le tri de l'encodeur avec une profondeur de R plus L moins 1 pour identifier le chemin optimal. Le chemin optimal est celui allant de l'état 0 à l'état 0 et donnant une séquence codée ayant la distance de Hamming minimale avec Y. La recherche du chemin optimal est implémentée par ce qu'on appelle l'algorithme de Viterbi. Donc là, je vais définir la règle, mais vous allez voir avec un exemple que c'est assez simple. Donc la règle, c'est si plusieurs chemins arrivent à un même état. Donc par exemple, ici, on peut avoir ce schéma-là ou ce schéma-là qui arrive au même état qu'ici. On choisit celui qui a la distance de Hamming minimale. Ce chemin sera nommé le survivant. Les autres seront éliminés. Il peut y avoir plusieurs chemins survivants sur leur distance de Hamming, donc qui sont égales. Donc dans l'exemple ici, supposons qu'on supposons qu'on reçoit 1 1 0 0 0 0. Donc ça, c'est l'algorithme de Viterbi, mais au lieu de vous montrer l'algorithme, on va le faire ici. Donc, je l'ai ici. Est-ce que vous voyez le fichier PDF? Ah oui, monsieur. Oui. Je vais me résumer là-dessus, mais... Ok. Supposons qu'on reçoit alors c'est où? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici, c'est. Supposons qu'on reçoit 0,1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Supposons que c'est ça qu'on reçoit après passage dans le canal. Donc on a vu comment créer les mots de code. Et ce mot de code passe par un canal et une fois qu'on le reçoit, à cause du bruit, on peut avoir des erreurs. Donc supposons qu'on reçoit 0,1. 0,1, on voit qu'il n'existe pas là parce que c'est 0, 0 et 1,1. Alors comment on fait? On dit que ce chemin qui est ici, le 0, 0, on va, à ce point-là que je vois, que je montre ici, on va mettre le chiffre 1, parce qu'il y a une erreur. Notre point de Hamming ici de 1. Même chose pour lui, 1, parce que ici, on a reçu 0, 1, mais ici, c'est 1, 1, 1. Donc, je mets un poids de 1. Et je continue en réalité, le jaune n'existe pas encore ici, ça, je l'ai mis à la fin. Donc imaginez que j'ai pas encore, il n'y a pas encore le chemin jaune que je viens de montrer ici, mais qu'il y a juste les chiffres que je suis en train d'ajouter. Donc là, j'ai mis un 1 et là, j'ai mis un 1 en rouge. Est-ce que vous voyez bien les chiffres 1 et 1 ici? C'est rouge et encerclé. Ça, c'est les différences de bits par rapport au 0,1 qu'on reçoit et par rapport aux possibilités. Ces possibilités ici, c'est 0,0 ou 1,1 à sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur ici, 1, et je mets ici 1. Si je continue maintenant, ici, la sortie ici, c'est 0, 0. Par contre, j'ai reçu 1, 0. Donc, il y a encore une erreur. Donc, je mets le chiffre 2. Et je continue comme ça. Ici, j'ai un 1, mais la sortie peut être un 1, 0, vous voyez? Et ça correspond au 1, 0 qu'on voit là. Ça signifie qu'il n'y a pas d'erreur supplémentaire. Donc ici, je vais avoir 1. D'accord? OK. Ici, si je continue ce processus, ici, je trouve 2. Ici, je trouve 3.
Ça signifie qu'à cet étage-là, à ce niveau ici, c'est lui qui a la distance de 1 ming la plus petite, puisqu'il a 1. Ça signifie que le chemin, c'est clair que c'est ça. Le meilleur chemin, c'est celui-ci, qui arrive à ce point qui est ici, là. Si on continue à chaque fois comme ça, donc les autres chemins là sont plus possibles. Ça veut dire qu'on part de là. Lui, il donne 2 et 2. Donc ces deux chemins sont possibles, le 2 et 2 là. Mais si je continue après ce 2, j'arrive à un 3 là, là un 4, là un 3 et là un 2. Ça signifie que le meilleur chemin devient celui-ci, 2. Et après, on continue. Là, il rajoute un bit supplémentaire, là un bit supplémentaire et ensuite la 4. Donc on voit finalement qu'il y avait 4 erreurs de bit. Mais le chemin optimal, c'est ce qu'on voit en jaune là. Donc finalement, on va retrouver notre code en sachant que les pointillés, c'est des 1 et que les tirets continus, c'est des 0. On va trouver que notre bit d'information, notre information, c'était 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc l'a trouvé comme ça. Et on avait 4 erreurs. On avait une erreur sur ce bit-là. On avait une erreur sur ce bit-là, une erreur sur ce bit-là, une erreur sur ce bit-là. Mais en utilisant l'algorithme de Viterbi, on a pu retrouver notre chemin optimal dans ce code convolutif. Donc l'algorithme donc je n'ai pas besoin de représenter les détails de l'algorithme puisque l'exemple est très parlant. Donc, ce qui est décrit ici, c'est ce qu'on vient de faire dans l'exemple. Donc, vous aurez l'occasion de faire des exercices de ce type-là. Je vais vous en envoyer. Donc, c'était le dernier transparent pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, monsieur. C'est bon? Non, merci, monsieur. OK. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous dis. À la semaine prochaine. Est-ce que vous avez laboratoire la semaine prochaine, le mercredi? Mardi, je pense. Mardi. C'est à quelle heure? 12h30. 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 OK, je compte passer. Je vais passer mardi prochain. D'accord. OK, donc n'oubliez pas de faire votre premier rapport là, pour le projet. Et de continuer à faire les quiz et les rapports des laboratoires. Ok, merci. Bonne journée, monsieur. Donc, merci Monsieur? beaucoup. Bonne journée. Merci. Monsieur? Bonne journée. Oui. Ce n'est pas par rapport à ce cours-là. Je ne sais pas si on vous a demandé déjà. C'est par rapport à la demain pour le cours d'envergure. Est-ce Oui. que Je vais c'est... envoyer un lien. Je vais envoyer un lien. On va le faire sur Zoom, le cours. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne journée.